Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur la carte à remplir, frappée depuis les ombres. Alors le premier défi à étape est un défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un kunai à parchemin explosif. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement ici à Misty Midon, enfin au-dessus de Misty Midon, donc juste ici, il y aura Kakashi Sensei qui va pouvoir vous vendre des kunai à parchemin explosif. Après normalement dans toute la map de Fortnite, il y a des kunai explosifs en abondance depuis aujourd'hui 15h. Normalement ils en ont rajouté un peu partout, vous devriez pouvoir en trouver un peu n'importe où. Après si vous voulez pas vous prendre la tête et chercher, vous allez parler à Kakashi Sensei et là vous lui en achetez pour 9 au total. Vous pouvez pas en acheter plus, ça vous coûte 150 lingots d'or le stack de 3 kunai. Donc vous les achetez soit à Kakashi ou soit vous les trouvez dans la map. Alors ensuite, quand vous avez vos kunai, regardez, normalement, peut-être ça peut fonctionner contre les animaux. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais voir, je vais attendre un petit peu voir si ça va fonctionner. Infliger des dégâts, ouais, ok. Est-ce que ça va fonctionner pour mon défi? Ça n'a pas l'air. Par contre là, je vais essayer de l'envoyer sur Kakashi pour voir si ça valide comme un adversaire. Ok, voilà, ça c'est fait. Alors je sais pas si ça valide, hein. Si ça ne valide pas, il faudra absolument le faire contre des vrais adversaires, des vrais joueurs. Donc là j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes obligé d'infliger des dégâts à des vrais joueurs. Donc il va falloir chercher d'autres joueurs, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais devoir infliger 142 dégâts aux adversaires pour terminer la première étape du défi. La deuxième étape va vous demander d'infliger 500 points de dégâts aux adversaires avec des kunai explosifs. Et la troisième étape, qui est juste incroyablement folle, va vous demander d'infliger 3500 de dégâts aux adversaires adverses. Donc, il va falloir bien tryhard les kunai, quoi. Je pense qu'il y a des kunai juste en face de moi, en plus. Ben, je crois que ça, c'est des kunai. Donc, regardez, déjà, ça a l'air d'être d'en trouver plus facilement, j'ai l'impression. Voilà, j'ai fait même pas quelques mètres que j'en ai déjà trouvé. Peut-être dans les coffres aussi, hein, vous pouvez en trouver. Voilà, regardez, dans les coffres, vous en trouvez. Voilà, il y en a vraiment en abondance. Donc, c'est peut-être même mieux de ne pas les acheter à Kakashi. Mais directement, bon, j'arrive pas à les récupérer. Mais directement, les prendre, les chercher par terre. Donc là, je vais chercher après un adversaire. Alors, ce qui est bien avec les kunai explosifs, c'est que quand vous voyez un adversaire, vous le visez à peine, même si vous visez un peu à côté, le kunai va directement aller sur l'adversaire. Donc, c'est pas trop compliqué de toucher un adversaire. Donc là, regardez, il y en a un, justement. Et en plus, on dirait que c'est Naruto. Donc, ça tombe bien. Regardez, il y a deux Naruto. Ah, ça va exploser, ça va me faire mal. Ok, non, c'est bon. Hop, je lui envoie. Vous voyez, ça va directement dessus. Hop. Hop, et vous enchaînez, vous envoyez tout ce que vous avez. Vous faites 152 dégâts, ok, derrière moi, hop. Hop, voilà, c'est bon. Normalement, ça aurait dû valider le défi. On va voir, hein. Ok, infliger des dégâts à des adversaires avec un kunai à parchemin explosif. 140 sur 140, ça a bien validé la première étape. Donc maintenant, je dois faire la deuxième étape qui est d'infliger 500 de dégâts et ensuite 3500. Alors, il y a un deuxième défi aussi qui va vous demander de quitter la forme d'ombre à distance d'attaque des joueurs adverses. Donc pour ce faire, soit vous pêchez ou soit vous récupérez des pierres d'ombre. Alors les pierres d'ombre, il y en a à plusieurs emplacements. Regardez, je vais vous montrer. Il y en a dans les sites de crash extraterrestres. Donc par exemple ici, il y en a ici, ici, ici aussi et il y en a aussi ici. Cependant, les pierres d'ombre, vous ne pouvez pas les stocker dans vos inventaires. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de pêcher. Par contre, là, il faudra peut-être que je me soigne un peu. Hop. On va tuer celui-là. Voilà. Enfin, je serai un peu plus tranquille. Je prends une canne à pêche, même un harpon. Et là, je vais pêcher pour avoir des poissons ombre. Donc voilà, là, j'ai trouvé un poisson ombre. Donc ça fonctionne aussi avec les pierres d'ombre. Mais ce que vous devez faire, en fait, c'est vous cacher comme ça. Et ensuite, vous allez près de l'adversaire.
et vous appuyez sur R1 pour vous décamoufler en fait, pour sortir de l'ombre. Et là, regardez, ça a bien validé le défi. Alors ça, c'était la première étape, c'était de le faire une fois. Ensuite, la deuxième étape va vous demander de le faire 6 fois. Et ensuite, la troisième étape va vous demander de le faire 20 fois. Quand vous l'aurez fait 20 fois à plusieurs adversaires, bah là, vous aurez terminé les 3 étapes du défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos du guide complet de la carte à remplir frappée depuis les ombres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.